Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la chance aujourd'hui d'interviewer une personne que tu vas reconnaître. Je t'en dis pas plus. Alors, avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets de cœur à lancer leur business dans quelque chose, évidemment, qui leur convient, qui les anime. Alors aujourd'hui, je te parlais justement de cette personne que tu vas découvrir, cette personne mystère. Elle est chanteuse, elle est écrivaine, elle est aussi fée de la nature. C'est un petit peu particulier pour moi de l'interviewer, vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il s'agit de Pauline Drion, c'est-à-dire que si vous faites le lien, c'est un petit peu ma sista. Coucou Pauline! Bonjour tout le monde. Alors tu vas pas déroger à la règle, je t'ai tiré aussi une carte. Je vais te demander de partager ce que tu vois dans cette carte et de pouvoir voir ce qui fait écho dans ta vie, dans qui tu es, parce que certes, tu es chanteuse, tu es écrivaine. Pourquoi écrivaine d'ailleurs? C'est le féminin d'écrivain? Je savais pas que ça se disait. Oui, c'est ça. Simplement. Et puis tu me disais aussi fée de la nature, je trouve ça trop mignon. Donc cette carte en fait que je trouve très 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 solaire. Je ne sais pas si tu la vois bien. Ah, c'est très drôle. Vas-y. Non, mais c'est très drôle parce que, bon, déjà, il y a la lune, enfin, lune et soleil, en fait, je vois les deux. Et les différentes phases de la lune, et en même temps, ça va être la pleine lune. Et il y a le désert, et c'est comme si le visage dans le désert, c'était un trésor, et ça fait pas longtemps que j'ai fini de lire L'Alchimiste. Donc, c'est très drôle, la ressemblance. Le livre L'Alchimiste, qui d'ailleurs, je vous le recommande à tous si vous ne l'avez pas lu. J'ajoute que je trouve que c'est une très, très bonne lecture. Voilà. qui m'a été recommandée par ma sœur. pour moi, tu peux baisser la carte. Hein, OK. Vu. Je trouve qu'il y a l'idée de cheminement, notamment dans les différents. En fait, la lune, on pourrait croire que c'est soit soleil et lune, soit la lune sous différentes phases. Et ouais, pour moi, il y a le cheminement. Où on peut passer tous par différentes phases pour aller vraiment retrouver, aller sur son chemin tout simplement et aller vers son propre trésor et réaliser ses rêves. Donc voilà, enfin, en fait, c'est ce que ça m'inspire. Génial. Et en même temps, une grande, 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 grande liberté parce que dans le désert, je veux dire, c'est immense, c'est vaste, c'est comme quand on regarde l'océan, je trouve, et qu'on regarde à l'horizon et que tout est possible. Hier, je regardais l'océan au coucher du soleil et je me disais, l'immensité offre juste toutes les possibilités. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah ben, j'attends pas de réponse précise, donc si tu me dis que c'est OK pour toi, c'est que c'est juste comme ça. J'aime beaucoup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au désert et à l'océan. Donc, toi, tu vis au Portugal, c'est pour ça que tu as l'océan face à toi, de ta chambre en plus. Et moi, je suis partie au Maroc dans le désert avant qu'on soit confinés il y a 2 ans. Et j'ai trouvé j'ai vraiment découvert le silence. Et de se rendre compte à quel point dans le vide, on pouvait être rempli. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser quand tu parles du chemin. J'avais envie que tu nous partages un petit peu ton chemin. Parce que si je t'ai demandé pour que je t'interviewe, c'est parce que tu ne t'es pas dit comme ça à 6 ans et demi, je veux être chanteuse, écrivaine et fée de la nature. Ça a été tout un chemin avec parsemé d'épreuves. Et je me suis dit que ce serait très percutant que tu puisses partager ton chemin à la fois pour les personnes de la trentaine qui se posent plein de questions,
à la fois à tous les parents comme nos parents qui sont déboussolés d'avoir des enfants comme nous. Masse alors. Pour les rassurer que tout va bien. Donc, partage-nous d'abord un petit peu ton parcours. Alors, chanteuse, c'est... Je passe juste par là pour revenir en arrière après. Mais en fait, chronologiquement, ça démarre de là. Chanteuse, c'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite, même si j'ai mis longtemps à vous le dire, à vous, ma famille. Mais je crois que mon plus vieux souvenir de moi, il me remonte de quand j'avais 4 ans et je savais déjà que je voulais être chanteuse. C'était au fond de moi, dans mes tripes. Enfin, j'ai toujours su, en fait. Je veux être chanteuse parce que j'ai envie de donner énormément d'amour par le chant aux gens. Et ça, c'est un projet, c'est mon plus gros projet, mon plus grand projet de cœur qui est toujours en cheminement et en évolution et qui avance petit à petit au même rythme que moi, j'avance aussi dans mon développement personnel. Donc voilà, en fait, dans notre éducation, on a été éduqués très, à mon sens très bien, mais aussi de façon... A priori, ils n'ont pas trop foiré le bazar. Mais de façon où, bah voilà, on fait des études, on a un job stable, on achète une maison, on a des enfants. Et du coup, aimant bien aussi les chiffres, j'ai fait des études de comptabilité et puis, en gros, j'ai fait HEC, donc analyse financière, etc. Bref, c'était intéressant, mais ce n'était pas du tout là que je devais être, que je devais être plutôt. J'étais à côté de la plaque, donc c'était OK, j'ai appris plein de choses, j'ai appris à apprendre. Alors, je vais te couper quand même parce que pour tous ceux qui pourraient se reconnaître un petit peu dans « je fais des études, j'ai un canevas conventionnel », tu as en plus réussi tes études avec brio. C'est pas comme si tu étais avec une satis et que tu avais des échecs à la fin de l'année. Pas du tout. Pauline, elle est toujours passée en première session avec des distinctions ou des grandes distinctions. Bah, disons que je suis un peu perfectionniste. Donc, oui. J'ai toujours... En fait, je crois que c'était la raison pour laquelle j'ai quand même réussi mes études, c'est que je me lance des défis à moi-même. Et ça, bon, c'est mon fonctionnement, donc ça peut vous parler, voire pas du tout. Mais dans mon fonctionnement, je sais bien qu'en me lançant des défis à moi-même et en me mettant une certaine pression toujours au dernier moment, j'y arrive parce que c'est comme si c'était « Ok, t'as une mission là maintenant, tu l'as fait et tu l'as réussi. » Et j'ai toujours eu une volonté et une détermination énorme. D'où le fait que je sais que j'atteindrai toujours mes objectifs. Toujours, 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 parce que j'ai suffisamment de résilience, de détermination et de volonté que pour y arriver. Et même si mes objectifs, par contre, peuvent changer en cours de route. Mais ça, c'est dans le cheminement, quoi. Et donc, oui, mes études, je les ai très bien réussies. Mais au fond de moi, déjà quand je sais pas si vous qui allez regarder vous connaissez la Star Academy, mais quand non, la Star Academy a non, commencé, on connaît pas. En 2001, en 2000, je sais plus, bref, 2000 ou 2001, moi j'étais en mode je veux y participer, j'étais fan, mais complètement fan. Même la première session, c'était Jennifer qui avait gagné. Ma chambre était recouverte de posters de Jennifer. Oui. Et je voulais trop faire ça. J'imposais même à ma sœur, à mon père, tout le monde, à ma mère, à tout le monde, que le programme journalier, c'était... De telle heure à telle heure, c'était la Starac. Et le vendredi ou le samedi soir, ça dépendait des années, c'était la Star Academy. Après, ça a été pareil avec The Voice, mais vu que j'étais en période d'adolescence, bon, je sortais aussi un peu aussi, donc je regardais un peu moins. Bref, c'était en mode, c'est ça que je veux. Et
Bon, j'ai fait mes études. J'ai fait d'abord 3 ans de comptabilité et puis bon, j'ai terminé première de section. J'avais dès le lendemain de la remise des points, on va dire. J'avais des gens qui téléphonaient chez moi pour m'offrir avec des offres d'emploi et c'est même ma maman qui décrochait. Mais je ne voulais pas du tout travailler là-dedans. Je me disais, oh là là, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'allais quand même aux entretiens. Je me fixais pour objectif de négocier le meilleur salaire que je pouvais négocier. Et puis quand on me disait, bah voilà, vous pouvez commencer, je me disais, oh non, j'ai pas envie. Et puis du coup, bah, au fond, je savais très bien ce que je voulais faire. Je voulais être chanteuse. Mais j'étais hyper timide, hyper, hyper timide. Donc, j'ai pas, je me sentais pas trop prête, en fait. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, subterfuge à ce moment-là, c'est que je me suis dit, il y a une façon de continuer des études. Parce que pour moi, études voulait dire, je rentre pas encore dans un système classique où je vais avoir mon salaire, je vais pouvoir être autonome totalement, je vais pouvoir partir de chez mes parents, enfin partir de la maison, etc. Et c'est comme si je me disais, si je me mets là-dedans, j'aurai plus difficile d'en sortir après. Avis personnel, hein, totalement personnel. Donc, je me suis dit, il existe une passerelle HEC en 3 ans, remets-toi dans 3 ans d'études. Quelle bonne idée! Et donc, j'ai recontinué mes études. Enfin, j'ai continué mes études, j'ai fait HEC. Et la dernière année était la pire année de ma vie. Enfin, la pire et en même temps la plus belle dans le sens où... Avec le recul. Oui, avec le recul, mais dedans, au moment même, c'était la pire année de ma vie. J'étais tellement à côté de ma vie, en fait. C'est pour ça que c'était la pire. J'étais tellement à côté de ma vie depuis des années, je voulais tellement pas écouter les signes de la vie qui me disaient Pauline, c'est pas le bon chemin. Pauline, tu sais que tu veux être chanteuse. Pauline, qu'est-ce que tu fous à faire 7 ans d'études au total? Pauline, ouh, on est là! Et du coup, j'ai commencé à avoir des tocs où moi, j'avais besoin de me laver. Donc au début, c'était je me lave les mains, puis je me lave. Les avant-bras, et puis jusque-là, ça passe sous l'évier, mais après, ça passe plus sous l'évier, donc je vais prendre des douches. J'étais arrivée à un moment où j'exagérais complètement, mais là, je perds le contrôle. À ce moment-là, je perds le contrôle de moi-même. Ça va pas du tout, en fait. Parce que la pire période, je prenais une vingtaine de douches par jour, j'utilisais des litres et des litres de gel douche. Enfin bref, c'était pas du tout agréable parce que je perdais totalement le contrôle sur moi alors que j'étais très 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 contrôlante à la base. Et à vouloir aussi toujours faire bonne figure, etc. Donc pour faire bonne figure, je me lavais toujours, mais jusque-là, comme ça, j'abîmais pas ma peau de là et je mettais des cols roulés pour qu'on ne voit pas l'état de ma peau du reste de mon corps parce que c'était des croûtes partout. Je savais enlever ma peau comme ça. Et bon, c'était comme ça. Puis il y avait aussi le déménagement, je vais dire, de la maison familiale où moi j'ai toujours habité dans la même maison à ce moment-là, les 25 premières années de ma vie. Donc je pense que c'était aussi en lien avec et le fait que c'est comme si j'avais mis mon ancrage dans la maison dans laquelle on habitait et dans laquelle j'avais grandi et mis mes fondations en fait dans des briques plutôt qu'à l'intérieur de moi. Je les avais construites là-bas. Enfin, j'avais rien construit de la maison, hein, mais j'avais construit mes fondations invisibles dans une maison plutôt qu'à l'intérieur de moi. Donc, il y a tout qui est... Je te coupe 2 secondes. On a très souvent, pour se rassurer, se sécuriser quand on est dans une profonde insécurité ou qu'on a une tendance à être en insécurité, à mettre à l'extérieur de soi la sécurité, comme tu l'as fait jusqu'à ce moment-là, où tu l'as mise dans la maison, dans les briques, ça te sécurisait, ça te rappelait ton enfance, ça te rappelait la vie de nos parents, ça te rappelait les bons souvenirs et ainsi de suite. Et l'ennui, c'est que quand il y a un événement qui fait qu'on perd ça,
bah, tu vas raconter ce qui s'est passé. C'est important aussi, du coup, de revenir sur, tiens, est-ce que j'ai une sécurité qui est intrinsèque, donc à l'intérieur de soi, ou une sécurité extrinsèque à l'extérieur de soi. Je te laisse continuer. Exact. Donc, enfin bref, cette année-là était assez particulière. Et je ne sais pas si c'était un peu aussi de l'éducation ou aussi de ma personnalité, et probablement un mix des deux en fait. J'avais aussi un ego assez haut placé. Et donc, je ne supportais pas demander de l'aide, parce que pour moi, demander de l'aide, c'était comme m'avouer vaincue, en gros. Sauf qu'à un moment, j'avais plus le choix, parce que c'était devenu tellement l'enfer avec moi-même, là où j'habitais, que, ben, un jour, j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, est-ce que tu es libre ce soir ?» Et il m'a dit « Non, je suis occupée. » Et pour la première fois de ma vie, je lui ai dit « Annule, je dois venir chez toi. » Et il m'a dit « J'annule tout de suite. » Il a compris que c'était important. Et à partir de là, bon, c'est pas nécessairement lui qui m'a aidée, mais du coup, moi, je suis partie de chez moi à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à me faire suivre. D'abord drôlement chez un psychiatre, et je suis pas fan, sans critiquer, mais moi c'est pas ce qui m'a parlé, c'est pas là où j'ai trouvé en tous les cas des solutions. Et puis bon, le temps a un peu passé, je vais pas dire que ça allait beaucoup mieux, mais quelques mois après, ma sœur qui avait déjà fait un séminaire de développement personnel m'a suggéré en fait d'aller à un séminaire de développement personnel. Parce qu'on cherchait des solutions, en fait. Parce que j'étais dans un cercle vicieux où j'étais dans ma propre prison. Et je suis allée à ce séminaire qui a changé et bouleversé ma vie à ce moment-là. Et qui a... En fait, je me suis remise... C'était genre... ça m'a remis sur mon chemin. C'était en mode... En fait, tu ne veux pas du tout travailler dans ce que tu as étudié, tu ne veux rien faire de tout ça, tu ne veux plus jamais en entendre parler d'ailleurs, bien que c'est été très intéressant. Et tu veux être chanteuse depuis que tu es toute petite, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce n'est pas encore fait? Donc, à partir de là, je vais dire que le cheminement, le vrai cheminement, enfin, de toute façon, pas, je ne vais pas dire le vrai cheminement, parce que si je suis passée par tout ce dont je suis passée avant, c'est que je devais passer par là et c'est OK. Mais le cheminement petit à petit vers la vie de chanteuse a commencé à se tracer, parce que donc je me suis dit, j'ai commencé à faire des recherches, je voulais être chanteuse, mais je me sentais pas chanteuse, j'osais difficilement chanter devant les gens, voire en fait j'osais pas chanter devant les gens, j'avais juste pris des cours de chant devant une prof de chant en qui j'avais confiance, mais sinon j'osais pas chanter devant les gens. Juste pour vous donner une idée à quel point on n'était pas au courant que c'était un rêve, c'est que la première fois que je l'ai entendu chanter, c'était à mon mariage. Voilà, parce que je m'étais dit... vous voyez, quand je me lance des défis, par exemple, je m'étais dit, je ne peux pas, envers moi-même, hein, c'est purement un engagement que je prends de moi à moi, je ne peux pas, si je ne suis pas encore chanteuse et que ma sœur me demande de chanter à son mariage, si je lui dis non, tu réaliseras jamais ton rêve, Pauline, alors t'as pas le choix que de lui dire oui si tu veux réaliser ton rêve. Je me mets des petits défis comme ça. Mais bon, au moins, ça a fait que j'ai chanté à ton mariage. Et c'était la première fois que je chantais devant des gens, en fait. Hormis ma prof de chant. Et oui, donc après, ben, je me suis renseignée parce que j'avais besoin pour prendre davantage confiance en moi à ce niveau-là. Parce que je sais que je peux tout, comment dire, entre guillemets, obtenir par ma détermination et ma volonté. Mais... parce que je sais que je sais apprendre, mais dans l'art, c'est là où j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que il y a rien qu'on peut contrôler dans l'art, c'est de l'expression de soi,
c'est subtil, c'est intangible, c'est pas A plus 1. Même dans le chant, même si tu maîtrises très bien ta voix, ben, un jour tu peux faire une super belle note et le lendemain te vautrer sur la même note, quoi. Donc, j'avais besoin d'acquérir des compétences pour, c'était un moyen en tous les cas, d'acquérir des compétences pour gagner petit à petit en confiance. Donc, je suis allée au cours Florent à Paris faire un stage en me disant, ok, je veux intégrer l'école et le cursus et je veux faire ça, donc allons-y. J'y suis allée, je suis restée 2 ans à Paris et puis bon, après, je ne sais pas jusqu'où je dois continuer. Après, j'ai continué à me former. J'écris mes textes. Alors, je vais rebondir sur le côté, oui. Du coup, donc là, on est sur ton histoire du chant. Mm-hmm. Tu décides aussi en cours de cursus de nous dire ça me convient plus, j'ai plus envie du côté scolaire, j'ai pris suffisamment en confiance, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Donc là, nos parents... Ah oui, parce que il faut se dire aussi une chose, c'est que quand Pauline est revenue du séminaire de développement personnel en nous annonçant qu'elle voulait être chanteuse, là, je crois qu'il a fallu que nos parents soient bien assis. Parce que y en a un, c'était pas imaginable, et l'autre, c'était imaginable, mais c'était trop insécurisant. Donc, elle a créé énormément d'insécurité je pense, mais là à ce moment-là tu as créé énormément d'insécurité chez eux et tu continues parce que bah, déjà tu pars à Paris pour des parents qui avaient un enfant pour qui les études c'était fini, ça faisait 7 ans qu'elle faisait des études, son chemin il était tout tracé, puis là on annonce qu'on recommence à zéro et elle part à Paris, ils ne s'attendaient pas à ça, puis tu leur annonces que t'arrêtes les cours Florent et puis il n'y a pas très longtemps, il y a une grosse année, tu leur annonces ah ben moi de toute façon là je pars vivre au Portugal. Alors là à chaque fois on a l'impression qu'on coupe les pieds. Là j'ai fait fort parce que j'étais retournée quelques mois en Belgique après Paris, parce que Paris c'était difficile pour moi d'y vivre, passant de la campagne à la ville et de beaucoup de mètres carrés à 15 mètres carrés, c'était à beaucoup de gens au mètre carré plus. Oui voilà, c'est ça. Et du coup oui, c'était pendant je crois que c'était à l'annonce du deuxième confinement, je me suis dit je sais que je ne veux plus être ici en Belgique parce que je sais que je n'avance pas ou peu sur mes projets et j'ai besoin de mettre du mouvement. Alors, il y a plein de façons de mettre du mouvement et j'aurais pu le positionner ailleurs, mais je me suis dit, bah non, moi j'aime bien le soleil. Dans 5 jours, j'ai tout vendu, j'ai tout déménagé et je pars vivre au Portugal. Ah oui, parce que ça les a fait flipper aussi. Hein, parce que ah oui, en 5 jours. Ah oui, parce que Pauline, quand elle a une décision, on est tous comme ça dans la famille. Hein, quand c'est clair, ben, on y va. Par contre, c'est entre le moment où c'est clair qu'elle part, qu'elle l'annonce, elle a déjà commencé à vider. Elle a tout revendu et elle est partie avec une valise. Donc, ta vie représente l'équivalent d'une grosse valise. Et alors ça, ben, pour beaucoup de gens, qu'on se le dise, ça paraît... Très, très, très. On est dans une société très matérialiste et donc mm-hmm. De nouveau on va chercher par l'extérieur quelque chose qui nous sécurise et toi tu avais aussi besoin de ça, de lâcher tout pour pouvoir obliger ton corps à revenir à l'intérieur de lui et ce qui se passe c'est que pour des personnes ben, je veux dire de la génération de nos parents, de nos grands-parents, la sécurité est une valeur, est quelque chose qui est primordial, alors que nous on vit dans une génération et je pense que ce sera encore différent pour des petits comme Lisa, donc ma fille, où la sécurité ne sera plus est de moins en moins au travers des biens matériels. Et donc là, t'étais partie. Je me souviens t'avoir conduit à l'aéroport avec quelques trucs qui disaient que ta valise était trop lourde et que tu ne savais pas prendre non plus. Et donc, tu as repris chez toi. Et puis, tu es partie au Portugal pour pouvoir mettre en mouvement. Alors, ce que j'aimerais bien revenir, c'est sur le côté écrivaine. Parce que tu as toujours... Alors, c'est intéressant parce que je vais te donner mon point de vue et puis tu me donneras le tien. Pauline, elle a toujours, vu que c'est une bonne élève, ça a toujours été une élève très scolaire, ses dissertations, sa manière d'écrire, c'était toujours très... C'était très beau, c'était... Je dirais peut-être... Tu ne te laissais pas la créativité de magnifier tes textes. Par contre, c'était
c'était une plume à la lecture des lectures qu'on pourrait faire. Voilà, t'écrivais très bien, t'avais des bonnes notes en français et ainsi de suite. Et puis, ben, tu es au cours Florent et là, je pense que tu as des cours pour d'autres. Comment ça s'appelle les cours que tu suis? D'écriture, des cours d'écriture. Et c'est là où tu découvres qu'en fait, tu adores écrire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, déjà, avant, c'était très drôle parce que... Ah oui, j'ai grandi avec une croyance qui, je veux dire, est très inconfortable quand on veut être chanteuse parce que quand on était petite, ma sœur avait une créativité très expressive. Et moi, je veux dire que ma créativité, elle était beaucoup plus... je ne sais pas comment exprimer... Je l'exprimais moins, elle était moins extériorisée en tous les cas. Mais il n'y a pas un enfant qui n'a pas de créativité et il n'y a pas un enfant qui a plus de créativité qu'un autre. Mais je l'exprimais moins que ma sœur. Et donc, j'ai beaucoup entendu de la part de nos parents, je ne sais même plus les phrases précises parce que j'ai tellement travaillé dessus que j'ai dû effacer ça de mon cerveau. Mais en gros, j'ai grandi avec la croyance de « je n'ai pas de créativité ». Mais quand on veut être auteur, compositeur, interprète, c'est assez embêtant. Parce qu'il faut créer des choses. Et donc, ça a été tout un travail sur moi de renouer avec, OK, où est-ce que j'ai de la créativité? Même si c'est, je ne sais pas moi, même si c'est au début, c'était vestimentairement parlant, j'ai un peu de créativité. Pour renouer et reprendre confiance dans le fait que j'ai de la créativité. Donc ça, c'était... Enfin, c'est venu différemment aussi, mais là où je voyais que je pouvais en avoir pour détruire une croyance qui m'empêchait d'aller plus loin. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a tous, et c'est indiscutable, de la créativité en soi. Absolument. Et que c'est à chacun, au travers de son histoire, de découvrir comment retrouver sa créativité. Toi, ça a été par l'association de tout ce qui est vestimentaire et ainsi de suite. Ça pourrait être par faire des peintures numéro d'art, des peintures numérotées. Ça pourrait être de s'autoriser dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Toi, t'es hyper douée, t'as plein de créativité culinairement parlant. C'est pour ça que j'ai fait la nutrition à l'époque. Et donc chacun va aller voir comment est-ce que je connecte sur une zone d'excellence. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de créativité en cuisine, c'est une très grande zone d'excellence pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai été pendant 10 ans nutritionniste. À côté de ça, parfois on met plus de conscience dessus, c'est parce que tu me le dis, mais pour moi cuisiner c'est plus de la créativité, c'est tellement intégré à l'intérieur de moi que je n'y vois plus de la créativité. Donc parfois c'est aussi d'aller voir les personnes qui nous entourent, tiens, où est-ce que tu penses que j'ai de la créativité, pour pouvoir s'aider parfois, pour pouvoir reconnecter à cette créativité et mettre petit à petit de la conscience dessus pour mettre de la confiance après la conscience et la laisser émerger dans plein d'autres domaines. Je trouve que aussi pour mettre de la conscience, il y a tout un, je vais dire entre guillemets, je ne sais pas le terme travail, mais je vais utiliser ça, mais ce n'est pas le terme que je veux, où on prend petit à petit du recul sur soi pour pouvoir s'observer. Comme si il y avait une petite Pauline là, qui observe ce que je suis en train de faire et qui me dit « Ah, là, tu es en train d'être créatif dans ce que toi, là maintenant, tu es en train de faire. » Et prendre légèrement du recul, alors des fois on s'en rend compte 3 mois après, mais au fur et à mesure du temps, on finit par cette petite voix qui est là à pouvoir s'en rendre compte des fois au moment même ou quelques heures après. Et pour pouvoir s'observer, quelle que soit l'observation que l'on fait de soi. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Si, pour revenir à ma croyance... Auteur, compositeur, interprète, si on n'a pas de créativité, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, j'ai détruit cette croyance, mais que j'avais toujours en arrivant au cours Florent, hein. Ce qui était toujours embêtant. Et puis, à un moment, j'ai vraiment bien travaillé sur cette croyance, et là, j'ai commencé à
à écrire mes textes. Mais ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. J'étais, oui, je faisais des bonnes dissertes, etc. en français, mais j'étais surtout forte en maths et j'aimais bien les maths. Et j'étais persuadée que je détestais le français, que je n'aimais pas écrire, que gna gna gna, que gna gna. Et ce qui était même très drôle, c'est qu'avant de faire mes études, j'avais été dans un salon, comment on dit, ça s'appelle le salon des métiers. Oui, un truc où il y a plein de choses pour te présenter différents métiers et tu vois ce que... Et ils ont des tests un peu psychologiques et j'avais fait le test pour... Parce que en fonction du test que tu fais, enfin, des résultats plutôt que tu as, ils te disent que tu vas plutôt t'orienter vers de la littérature, vers des mathématiques, vers des sciences, vers ceci, vers cela. Et je fais le test et moi, persuadée que je veux... Je me mentais tellement à moi-même que j'étais persuadée que je voulais aller dans les maths. Et le truc, il me sort que je dois aller dans la littérature. Ça ne marche pas, votre truc. Gardez-le, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon pour moi. Et j'y repense des fois parce que je me dis, bah, en fait, ils avaient tout raison. Du coup, oui, je suis allée... Enfin, au cours Florent, après quelques mois, tout s'est ouvert au niveau de la création de textes. Je ne sais pas comment ça s'est ouvert. C'était... Bon, j'imagine qu'il y a eu l'entraînement aussi. Au bout de 3 mois, ben, j'écrivais quand même des choses pendant 3 mois, mais c'était un peu contrôlé quand même. Et puis, je crois qu'à un moment, c'est un lâcher-prise qui est venu. Une vague d'inspiration un soir où j'ai écrit, je crois, 3 textes d'affilée. 3 textes de chansons. Et bon, ce n'était pas les mieux écrits, hein, mais c'était un début. Et puis, à partir de là, bah, ce n'est que du travail et de l'entraînement. Et ça s'est complètement développé. Oui. Et du coup, en cours de route, t'es venue l'idée de dire, tiens, en fait, j'ai quand même un don pour l'écriture. Comment est-ce que je peux le mettre à profit pour les autres aussi? C'est ça, parce que bon, quand on a des talents, c'est quand même un peu dommage de les garder que pour soi. C'est pas le but, en fait, on est là pour faire bénéficier et offrir au monde nos talents, puisque c'est ce que bien souvent on aime faire, c'est ce qui ne nous coûte pas, entre guillemets, si ce n'est, enfin, coûte pas dans le sens où, oui, ça prendra toujours de l'énergie, mais faire quelque chose prendra toujours de l'énergie, mais ça ne nous... C'est pas lourd, quoi. Le but, en fait, c'est juste mettre ses talents au service du monde. Et du coup, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, comment faire pour mettre ça au service du monde dans un premier temps, le temps que mon projet de chanson et de musique aboutisse. Et donc, je me suis lancée dans une activité de relecture et réécriture de textes pour les entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que ce soit des articles, des livres, tout type de texte, en fait. Oui, mais comme tu l'as fait pour moi, pour mon site internet. En partie. Que ce soit... Fois, avant, je regardais tous tes mails que tu envoyais, tu me demandais de vérifier tes mails. Parce que j'aime bien l'orthographe aussi, donc je suis forte. Et du coup, oui, c'est en fait ce que je fais, c'est pas juste de la relecture d'orthographe, de syntaxe, etc. C'est vraiment... Le début du texte, pour moi, est extrêmement important et trop peu de gens y consacrent suffisamment d'importance, dans le sens où, au début, tu captes ou tu perds ton lecteur. Et il faut, ce que je fais, du coup, c'est que j'essaye de comprendre au mieux ce que la personne veut transmettre, comment est la personne qui me contacte, tout simplement. Quel est son univers, quelles sont ses valeurs, quel est son message. Et je vais créer au début du texte et pendant tout le texte et installer un univers qui va permettre au lecteur de s'asseoir dedans et puis de se laisser emporter par la suite du texte. Comme si il arrivait... Comme une croisière. Oui, il arrive dedans et puis il part en balade pendant toute la lecture, que ce soit un livre, un article ou quoi que ce soit, même si c'est un texte court. Et oui, ça c'est ce que je fais notamment pour le moment et c'est d'une importance primordiale je trouve parce que le nombre de livres que j'ai déjà arrêté de lire, bon je suis pas la plus grande lectrice du tout, mais
Il y a plusieurs livres et même beaucoup de livres que j'ai déjà voulu commencer à lire. Et les 30 premières pages, elles m'attirent. C'est même pas que c'est pas un sujet ou une histoire qui va me parler. Si ça se met, l'histoire est passionnante. Mais le début ne m'attrape pas du tout. Ben, moi, j'arrête de lire. Je vais pas plus loin, je m'efforce pas. Parce que j'ai pas une passion inouïe pour la lecture qui fait que je dépasse ces 30 pages qui m'attrapent pas. Donc, je trouve que c'est extrêmement important d'attraper le lecteur dès le début. Parce qu'au départ de ça, je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais on peut d'avant. En fait, quand le lecteur est bien assis dans l'univers que l'on a créé, il est lui-même ouvert et installé pour recevoir le message qui est à transmettre et à recevoir. Tout simplement. Mais voilà. C'est ça qu'un livre qui est bien écrit, c'est un livre qu'on a envie à la fois de... À la fois, il y a quelque chose de l'ordre de « on a envie de savoir la suite », non pas parce qu'on est dans l'engouement, mais parce qu'on s'y sent bien. Exact. Et quand on est dans cette situation où on s'y sent bien, en fait, on a une possibilité. Donc, il faut savoir que pour quand on lit un livre, si même il y a des apprentissages dans le livre, on ne va retenir que statistiquement 10% de ce qui est lu. Quand on s'y sent bien et qu'on a cette... on a toutes les deux avec nos mains, mais c'est un peu compliqué d'expliquer avec des mots. Les mains, ça crée tellement plein d'énergie, c'est tellement magique. Il y en a trop peu qui sous-estiment le pouvoir des mains. Une chanson sur le pouvoir des mains. Oui, parce que du coup, oui, on doit avoir du côté italien dans nos sang, dans notre sang. Nous, on parle beaucoup avec les mains. Et du coup, ben, ça permet d'augmenter en fait le potentiel d'intégration de l'information quand on a cet espace qui nous apporte de la confiance, de l'amour, de la sécurité, de la bienveillance en fait. Et toi, tu viens, c'est pour ça que j'aime bien quand tu dis je magnifie les textes, parce que c'est vraiment ça que tu fais en fait. Oui. Oui, j'aime bien apporter. En fait, aussi, j'aime beaucoup alléger un texte. Ça ne veut pas dire que nécessairement, quand j'allège un texte, ça ne veut pas dire qu'il devient plus court. Ah non, c'est comme la chantilly. Il y a plus de crème, ça fait de la chantilly, c'est meilleur. Parfois, c'est même plus long, effectivement. Mais ça devient léger et agréable à lire, tout simplement. C'est pas genre. C'est drôle parce que dans mes études, c'est quelque chose que j'avais observé. Du coup, vu que j'ai d'abord fait 3 ans d'études dans une école et puis une passerelle universitaire, j'ai fait un TFE puis un mémoire, enfin 2 TFE en gros. Et dans la première école où j'étais, donc j'ai écrit mon TFE comme j'écris d'habitude, donc en toute modestie, bien quand même. Même si j'étais dans la comptabilité, en fait, pour moi, écrire, c'est aussi permettre d'utiliser du vocabulaire précis, mais faire en sorte que toute personne puisse comprendre ce que j'écris. Donc, même ma sœur qui ne connaît pas nécessairement précisément la comptabilité, avec précision en tous les cas, pourrait comprendre. N'importe qui pourrait comprendre. Et ça, personnellement, c'était mon but. Ce qui faisait que un TFE, bien qu'il soit truffé de bonnes informations, rendait la lecture de quelque chose qui peut être très théorique et parfois même un peu casse-pied, bah très, très agréable à lire. Ce qui, pour cette école-là, m'a valu le prix du meilleur TFE. Mais quand je suis arrivée à l'université, c'était très drôle parce que cette façon d'écrire ne leur convenait pas du tout. Il fallait un truc, rester dans les lignes de « il faut que ce soit lourd », il faut que ce soit comme quand on lit, comme quand on peut essayer de lire des thèses de doctorat que personnellement, c'est un avis très personnel. C'est un enfer. Il n'y a pas de jugement là derrière. Moi, je déteste lire ça. Si t'es pas déjà dans le métier, tu comprends rien. Tellement c'est trop spécifique et c'est chiant. Enfin voilà, c'est mon avis. Hein. Je ne mets pas de jugement là-dessus. Ni sur ceux qui en font, tant mieux, très bien. Et parce qu'il faut des gens qui fassent ça, donc c'est très bien. Et c'était drôle pour moi d'observer, du coup, la différence. Mais en fait, c'est ma façon d'écrire et ça rend les choses beaucoup plus agréables. Et ça magnifie, tout simplement.
Donc voilà. Et puis alors, tu t'es dit oui, mais je fais ça, mais en même temps, du coup, je m'éloigne un peu du champ. Et t'es revenue un petit peu en disant, tiens, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Et j'insiste sur toujours, tiens, qu'est-ce qui est en mon pouvoir là maintenant en fonction de tes compétences? Tu as déjà parlé des compétences tout à l'heure, des talents aussi que tu as. Et tu as créé un week-end immersif. Et j'aimerais bien que tu me partages un petit peu ce qu'on y vit dans ce week-end C'est immersif. ça. Ben, j'ai appris déjà depuis plusieurs années à aussi, je vais dire, écouter les messages de la vie, les percevoir, parce que c'est truffé de messages tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vivre en fait en adéquation et je vais dire, presque en binôme avec la vie et l'univers, parce qu'on est constamment accompagné. Parce que enfin, de la façon dont on en parle, c'est genre en mode, bon, j'ai fait autre chose, mais en fait, j'ai plus suivi de me dire, OK, c'est pas encore précisément maintenant que ton projet de musique et de chanson va éclore, même si ça peut être rapide aussi, mais c'est pas là dans le mois qui vient. Il y a autre chose qui se dessine, et à un moment, je me suis dit, c'était d'ailleurs grâce à toi, ma sœur, que j'ai créé ça. Je me suis dit, tiens, je ferais bien des stages de chant improvisé. Je me sentais appelée à faire ça. Bon, vu que je prévoyais le faire, je crois, 2 mois et demi après, dans mon cheminement pendant 2 mois et demi, ça s'est légèrement transformé où c'est devenu un stage, en gros, de libération émotionnelle et de guérison du corps, de l'âme et du cœur, en alignement en gros, par la voix, donc sur base d'improvisation chantée. Pas que, il n'y a pas que ça. Et c'est ce que j'ai créé, ce que j'ai expérimenté, et c'est ce que je dois vivre notamment et apporter au monde là maintenant, même pour la suite de mon chemin. Parce que c'est ça aussi que je veux créer au travers de ma musique qui sortira plus tard. Et oui, ce sont des week-ends merveilleux. En Je toute humilité. sais pas. Oui, mais je sais pas comment décrire ça. En fait, c'est oui, c'est pas. C'est pas en Ce mode. sont des expériences à vie. D'abord, c'est quelque chose à vivre, parce que de nouveau, on n'est pas sur du tangible, donc on n'est pas sur quelque chose de pragmatique. On part dans l'émotionnel, on part dans nos croyances, on va dans la libération, et la libération, c'est l'ouverture. On vient connecter au cœur, on vient déconnecter la tête. Le truc Déjà, super génial. la voix, pour moi, c'est bon, moi, ça me parle à moi, évidemment, mais c'est un outil sensationnel. C'est vraiment un outil sensationnel pour aller chercher au fond de soi ce qui doit sortir, ce qui doit se libérer. Et c'est l'expression, il y en a qui vont dire que c'est la danse, mais pour moi, c'est vraiment le chant, c'est l'expression la plus intime de soi qui puisse exister que le chant. Parce que parler, on apprend la voix, parler, on apprend à parler quand on est tout petit. Danser, en fait, même si on peut ne pas oser danser devant les gens, bah, tout le monde voit notre corps, mais on peut ne jamais de sa vie chanter devant des gens. Et que cette voix ne soit jamais entendue. Mais en fait, laisser place à l'ouverture de cette voix, sans qu'elle soit nécessairement précise, juste, moi, ça m'est complètement égal. Les gens qui viennent, j'ai pas besoin qu'ils sachent déjà chanter, j'ai pas besoin qu'ils chantent plus ou moins bien ou qu'ils chantent juste, ça m'est totalement égal. Ils peuvent ne même jamais avoir chanté de leur vie. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture que ça va aller créer, l'ouverture déjà de tous les chakras, parce que la voix, elle démarre du chakra racine, c'est ça Celui tout en dessous, le rouge. que je ne dise pas de bêtises. Et puis elle résonne jusqu'au chakra couronne, si Couronne, je ne dis pas de le bêtises. mauve. Elle ne fait que traverser tout ça, elle ouvre tout, elle vient tout, tout, tout ouvrir et libérer tout ce qu'il y a à libérer à ce moment-là. Après, ne se libère que ce que vous êtes prêt inconsciemment à libérer. Et ça, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est que très souvent, on croit qu'on sait chanter ou on essaye de mettre sa voix. Et
Moi, c'est avec toi que j'ai découvert que ma voix, elle était coincée là. Mmh. Et que je ne vais jamais dans mes tripes, entre guillemets, je ne prends pas de risque en fait en chantant comme ça. Sauf que je fatigue très, 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 très fort mes cordes vocales. Et donc, si on veut mettre du pragmatique sur ce qu'elle explique, c'est que moi, ma démarche, donc je n'ai pas encore fait ton stage, je me réjouis d'y être au prochain, c'est que je fatigue mes cordes vocales et je parle beaucoup. D'abord, je parle beaucoup parce que j'ai toutes mes activités. Je parle beaucoup tout court. J'adore parler et monopoliser l'attention. Ça, c'est mon petit côté, j'aime être importante. Merci Pauline. Mais c'est vrai, je parle beaucoup et Pauline a une oreille très attentive. Mais je vis que je passe ma journée à écouter les gens. Mais je passe beaucoup de temps pour mes clients. Puis ne serait-ce que pour faire les interviews, que ce soit à l'époque quand j'ai... Ça fait ici moins, mais autrement quand j'ai des conférences, je tiens le crachoir pendant une heure et demie. Et en fait, très souvent après, je suis pas faune, mais je sens que c'est difficile. Et c'est toi qui m'as dit, mais France, c'est normal. Ta voix, elle ne vient pas... du côté résonance, enfin, je sais pas, je vais imaginer la batterie avec où tu as la caisse de résonance, elle vient vraiment, tout est toujours contrôlé et bloqué dans la gorge. Et donc, c'est l'occasion aussi d'aller découvrir comment on peut aller chercher un peu plus bas, un peu plus dans les profondeurs de qui on est pour s'autoriser à faire vraiment émerger cette voix. Et j'imagine que parfois, même tes clients, ils sont surpris de ce qui peut sortir. D'office, parce que quand on démarre les premiers exercices, bon, tout le monde sait sortir des sons chantés, qu'ils soient justes ou faux, ça m'est égal. Et en fonction de ce qu'ils me sortent, je vois là où ils ne veulent pas aller. Donc, je vois tout de suite là où il y a de l'ouverture à faire et là où ça va aller, je vais dire, titiller grandement... des croyances, des choses qui sont parfois bien ancrées, des peurs, tout ce genre de choses, mais que le but est d'aller ouvrir ce qui a été fermé à clé et pendant parfois très longtemps. Et donc oui, j'entends dès le début là où il faut aller et c'est là que je les accompagne à aller et c'est là que je vais les pousser à aller, notamment là c'est par la voix. Après, dans les week-ends, il y a aussi... Pardon, tu voulais peut-être rebondir. Oui. Oui, c'est pas... j'ai entendu. Vas-y. Oui, en fait, ça m'a fait penser à... Vu que c'est souvent enfant qu'on bloque tout ça. C'est souvent penser quand vous étiez petit. Est-ce qu'on vous disait souvent... Et vous voyez comment vous fonctionnez avec vos enfants, parce que souvent, on reproduit ce qu'on avait dit. Tais-toi. Faites ou... Oui, je te coupe la parole, mais faites hyper attention si vous avez des enfants. Et même des fois, toi, je l'entends par rapport à Lisa, c'est « tu parles trop fort ». Eh bien, je peux comprendre totalement ce qui est dit sur le « tu parles trop fort » parce que des fois, on a envie de tranquillité, de calme, c'est fin de journée, on a besoin de silence et pas encore brouhaha des enfants. Mais en fait, c'est dans notre société européenne, on nous a tous appris petit à petit à étouffer notre voix et à parler de moins en moins fort. Si on va en Afrique ou même dans les pays latinos, donc en Amérique du Sud, ils ont une voix qui parle beaucoup, et plus on descend dans le sud, même en Italie déjà, c'est déjà différent de la Belgique ou de la France. Ils ont une voix qui porte beaucoup plus et qui est beaucoup plus déjà ancrée, même une voix de poitrine, qui peuvent plus facilement descendre. Nous, on nous a tellement dit « tu parles trop fort » ou « tais-toi » qu'on a mis notre voix genre là, quoi. Et on s'abîme tout ce qui est là, en fait. Et on ne descend pas à l'intérieur de nous parce qu'on est tout le temps perché comme ça. Et la preuve en est, la plus grande preuve qu'il puisse y avoir, si on veut encore du tangible, c'est qu'on ne respire quasi jamais par notre ventre. Mmh. On respire toujours par ici au-dessus. Et donc, c'est la preuve qu'on est déjà, on bloque et notre voix, et notre respiration, et nos énergies, et notre potentiel. Et on se déconnecte de notre corps, tout simplement, parce qu'on vit de là. Tout. Et c'est tout. Et donc, faites attention, si vous avez des enfants, c'est normal des fois de leur dire silence,
on se calme, on fait moins de bruit, mais à d'autres moments, leur laisser place aussi à toute cette expression qui est primordiale. Primordiale. Alors, pour ceux qui ont des enfants qui crient, maman nous a fait expérimenter le bol tibétain pour créer du silence. Et en fait, vu que ça apaise très rapidement le mental, le bol tibétain, ça permet de calmer très vite les enfants. C'est vrai. C'est des sons à haute fréquence vibratoire. Donc d'office, ça vient. Et les enfants, ils sont hyper... En fait, vu qu'ils sont totalement connectés à la vie, à la nature, à l'univers, et qu'ils n'ont pas encore, les petits-enfants, en tous les cas, ils n'ont pas encore appris à se déconnecter de ça, et grand bien leur fasse, ils captent tous les, que ce soit les signes de la vie, etc., parce qu'ils jouent avec la vie non-stop, et ils captent hyper fort toutes les fréquences vibratoires et les hautes fréquences vibratoires. Et le bol tibétain émet de très hautes fréquences vibratoires, résonne à une fréquence particulière. Après, chaque bol tibétain résonne à son utilité, à différentes fréquences. Je n'ai pas étudié les bols tibétains, mais ce sont des fréquences qui viennent inévitablement calmer et apaiser. C'est pareil, par exemple, pour l'instrument, le handpan ou le hangpan. Il y a deux noms différents pour le même instrument. Ah, moi, j'adore mettre ça. C'est magnifique et moi je trouve que c'est magnifique comme instrument et ça émet aussi des hautes fréquences vibratoires. Où il y a, comme en fait, la flûte de Pan aussi. Possible, je ne sais pas, j'imagine. Ce sont les flûtes des Indiens et, les tambours aussi, certains tambours en fait. De toute façon, la musique en général elle vient apaiser, c'est... C'est magique. Bon, ça dépend. Moi, quand je vais à l'opéra, je ne suis pas apaisée. Hein. Moi, j'aime bien l'opéra quand même. Enfin, voilà. Donc, oui, ça, c'est une façon de calmer vos enfants, mais laissez-les s'exprimer. Et vivre ce qu'ils ont envie, oui. Et en même temps, pour pouvoir s'autoriser à pouvoir les laisser vivre ce dont ils ont envie, c'est assez intéressant aussi de découvrir de quoi nous, on a envie aussi. De pouvoir découvrir sa propre voix pour mieux comprendre, pour pas être dans le mental de « Ah, Pauline nous a dit conseiller de », mais plutôt de se dire « Tiens, j'ai pris conscience de, donc du coup, voilà comment je vais l'intégrer dans ma manière d'éduquer. » Pour pouvoir retrouver tes séjours, on te contacte via Facebook, Instagram, un site, on te contacte, tu me donneras tes liens, je les mets en dessous de la vidéo. Oui, Facebook ou Instagram, et il y a mon adresse mail, mais pour voir les événements, c'est Facebook, Instagram ou YouTube. Ok, super. Alors, j'ai une dernière question. Pour toutes ces personnes qui, pour la plupart des personnes qui me suivent, et pour les clients qui ont des projets de cœur, comme toi, tu as celui du chant, et en cours de route, tu te donnes l'opportunité de pouvoir prendre ce qui vient à toi. Quelle serait pour toi la lecture qui a été une révélation pour toi ? Eh bien, l'alchimiste. Je vais pas innover, mais c'est le dernier que j'ai lu. Et oui, je vais pas dire. En fait, ça a été une révélation sans en être, dans le sens où c'est juste que ça m'a parlé et ça m'a remis à du 10 000% dans comment je fonctionne. Et ça reconnecte, je vais dire, encore plus à soi, parce qu'on est tous sur Terre pour une raison particulière. Et on a tous quelque chose à offrir au monde et tous une mission, ou comme ils disent dans le livre, une légende personnelle à réaliser. Et il y en a trop qui l'oublient et qui vivent une vie, c'est ok aussi, hein, qui choisissent de vivre leur vie de façon plus classique, ce qui est totalement ok, mais si vous sentez ce feu qu'il y a au fond de vous, de quelque chose à réaliser, d'un rêve tout puissant, d'une envie de créer quelque chose, juste faites-le
apprenez à comprendre, je vais dire, votre fonctionnement, qui vous êtes, et à surfer sur les élans que vous avez pour mettre en mouvement toute cette... Oui, à utiliser l'énergie des élans. En fait, ça aussi, je fais juste une petite vague, enfin une digression. Pour moi, c'est quand on a un élan de faire quelque chose qu'il faut le faire. Parce que souvent, on peut se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, je vais le faire demain, je vais le faire tout à l'heure, le soir, je vais le faire dans 3 mois, je le ferai l'année prochaine. » Si tu as une envie, fais-la. Enfin, une envie, ce n'est pas juste un caprice. Hein. C'est si tu as un élan de création ou de réalisation de quelque chose, fais-le maintenant. Parce que c'est maintenant que tu as l'inspiration et l'énergie pour le faire. Si moi, j'ai l'inspiration pour écrire un texte et que je me dis « Oh non, bah maintenant je suis fatiguée, je fais d'abord une sieste », je me réveille, il n'y a rien qui sort, il n'y a plus rien qui vient et mon texte, il est aux oubliettes. Utilisez l'énergie du moment et l'élan qui arrive et qui est là. Et cette énergie, même des fois, l'élan va être une source de colère, par exemple. Ce n'est pas grave. Utilisez cette énergie-là pour en créer quelque chose, tout simplement, et aller réaliser vos rêves. Et j'ai envie d'ajouter à ces belles paroles de l'inspiration et de l'élan qui est là, c'est sans jugement. Mm-mm. Parce que très souvent, le mental a envie de dire « oui, mais non, ça se fait pas, oui, mais non, pas maintenant », comme tu parlais de la sieste. « Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non ». Et alors, vous pouvez faire des petites expériences. Moi, je le vois, par exemple, quand j'ai une inspiration pour écrire un texte, faire une vidéo, et que je la fais pas à ce moment-là, et je note le thème, et je note quelques lignes, ah ben, je vais jamais plus la faire. Mm-mm. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est vraiment là. Là, à l'instant T, c'est ce que tu disais, mais j'ai envie de vraiment d'appuyer dessus. Parce que quand on... Ça m'est arrivé d'avoir des vidéos que je faisais, puis en cours de route, ben voilà, il y a un truc qui bug ou quoi que ce soit. Et je me dis, ben c'est pas grave, je la referai à un autre moment. Et en fait, non, c'est soit que je devais pas la faire, mais dans tous les cas, quand c'est passé, c'est passé. Et donc, laissez-vous, autorisez-vous à avoir cette petite voix qui vient d'un peu partout, dans votre tête, dans votre cœur, de on ne sait pas où. Il y en a qui appellent ça de la canalisation, il y en a qui appellent ça des aspirations, il y en a qui appellent ça des aspirations. Il y en a qui appellent ça l'intuition. Enfin, bon, voilà, la petite voix, le petit ange ou le petit démon, peu importe, voyez ça comme vous voulez. Laissez-leur de l'espace pour pouvoir petit à petit les apprivoiser, en fait, pour comprendre, pour mieux comprendre comment surfer. Parce que c'est vraiment ça, c'est comme du surf, en fait, c'est surfer sur ses énergies et sur ses élans. Quand il y a un élan, il y a une porte qui s'ouvre, et si on dit non, on ferme la porte à mm-hmm. chaque fois. Et il y a des élans d'énergie qui se manifestent, vous le sentez, ça se manifeste dans le corps hein, aussi, donc on peut, si on veut, je veux dire, pas juste prendre ça énergétiquement parlant, il y a un élan dans le corps, il y a quelque chose qui a envie de se mettre en mouvement, ou il y a quelque chose qui a envie de s'expandre. Il y a un mouvement du corps qui va se faire. Si vous avez besoin d'un truc plus concret, alors laissez vivre votre corps, laissez-le s'exprimer et voyez ce qu'il a envie de faire. Laissez-le, même si vous allez marcher par exemple, plutôt que de savoir quelle balade faire, qu'à tel endroit il faut tourner à gauche et, d'autres, il faut tourner, et à un autre moment il faut tourner à droite, laissez-le vous guider et aller là où il veut. C'est un apprentissage. Le mental, il prend souvent le dessus. Mais au fur et à mesure, c'est il a envie d'aller à gauche, ok, je vais à gauche. Je ne sais pas ce qu'il y a à gauche. Si ça se met, je ferai demi-tour parce que j'arriverai peut-être à un cul-de-sac. Mais il y a peut-être quelque chose à voir qui est magnifique. Il y a peut-être quelqu'un à rencontrer. Il y a peut-être rien de spécial, mais j'aurais juste écouté mon corps qui, à ce moment-là, avait envie d'aller là. Et puis, s'il faut revenir sur mes pas, je reviens sur mes pas et je vais peut-être découvrir d'autres choses, expérimenter d'autres... C'est la vie, en fait. C'est juste la vie et laisser la vie revenir en soi et juste le flow s'exprimer et l'écouter. On se déconnecte trop souvent de ça, je trouve.
Ça peut être aussi durant cette marche de vous dire, de laisser l'espace pour vous dire je m'arrête, j'écoute, je regarde, je sens, de s'asseoir, de rire, de sautiller, de courir alors que vous êtes avec vos chaussures de marche. C'est de laisser être ce qui est. Et en plus, ce qui est magique, c'est que vous allez reconnecter à votre enfant intérieur. Et alors là, ça va. C'est juste superbe en fait ce qui se passe à ce moment-là. Oui, par exemple ce matin, si je prends un exemple très concret, je vais dormir un peu tard, je me suis réveillée à 7h22, le soleil se levait à 7h44. J'ai regardé l'heure, j'ai ouvert un œil, j'ai regardé l'heure et je me suis dit, oh non, on dort encore un peu. Et puis je me suis dit, ah, lever du soleil, mon corps s'est levé en un rien de temps. J'ai couru jusqu'à la plage, enfin jusqu'aux falaises pour aller voir le lever du soleil et je me disais, j'ai pas pris de maillot ni rien, je vais voir le lever du soleil et je reviens. Et quand j'étais là, je me suis dit, oh, j'ai envie d'aller dans la mer. Et vous savez, on a ces petits trucs là où on se dit, j'ai pas pris de maillot, j'ai pas pris d'essuie, de serviette, j'ai rien, j'ai même pas mis de chaussettes en mettant mes chaussures, je les ai pas attachées, j'ai couru pour avoir le lever du soleil. J'ai rien qui va faire que je vais aller dans la mer. Et mon élan, mon corps avait envie d'aller dans la mer. Je me suis dit, merde, il veut aller dans la mer, ben tant pis, tu trouves un espace où on te voit pas trop, tu vas toute nue s'il faut. Et tu t'essuieras avec tes vêtements et tes vêtements, ils iront à la lessive après, il n'y a pas de mal. C'est comme un enfant qui veut sauter dans une flaque de boue. C'est gai. Moi, je ne sais pas vous dire ce que ça m'a apporté dans le sens où il ne s'est pas passé un truc hyper concret, hyper tangible dans le séance matin, mais c'était merveilleux. Je me suis amusée à sauter dans les vagues. C'était génial pour démarrer ma journée. Et juste parce que j'ai suivi cet élan-là et après, ça m'a amené du mouvement dans ma journée. Après, je suis rentrée, j'ai été nager dans la piscine, etc. J'ai démarré ma journée avec une super belle énergie, même si elle aurait dans tous les cas été belle, mais écoutez. Et puis, ça vient résonner sur le cadre qui est derrière toi, explore. Exact. Je vais clôturer, du coup. Pour pouvoir retrouver donc les infos pour te suivre, je mets les liens en dessous de la vidéo, au-dessus ou à gauche ou à droite, ça va dépendre de sur quel réseau vous allez voir cette interview. Je vais aussi vous mettre le lien de mon site internet qui est enfin en ligne. pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont un projet de cœur, qui ont envie de développer ou qui sont déjà en train de le développer et qui ont envie de le faire passer à un autre niveau, d'avoir d'augmenter votre clientèle, votre premier revenu ou quoi que ce soit. Et là, vous pourrez alors aller sur l'onglet appel découverte et on prendra un peu de temps pour discuter de où vous en êtes et de ce que vous voulez réellement faire dans votre activité professionnelle. Je vous souhaite... Si vous hésitez une seconde, n'hésitez pas en fait. Allez-y, ma soeur, c'est de la bombe. Merci. Donc, allez-y. Elle vous aidera, mais de fou malade. Donc, allez-y. C'est gentil, merci. C'est mon petit côté humilité là qui me dit « Ouh, c'est oui, sympa !» Non, franchement, si vous avez un projet et que vous savez pas par où commencer ou alors on vous dit il faut faire un business plan et nani, c'est trop chiant et qu'il y a d'autres façons d'y aller, ben là, ma sœur, il y a une solution. Allez-y, elle vous aidera. Donc, et voilà, elle vous accompagnera. Merci. Et je vous mets du coup le lien en dessous aussi de cette vidéo, enfin autour de cette vidéo. En tout cas, je te remercie pour ce moment. Merci à toi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. N'hésitez pas à aller voir les autres interviews de personnes inspirantes, de personnes qui ont changé de vie, dans des vies parfois très très particulières aussi, qui réalisent leurs rêves et qui ont décidé d'aligner leur âme à leur mission de vie. Donc voilà, je vous souhaite de découvrir la vôtre, de pouvoir développer ce projet aussi. Et je vous souhaite aussi du coup une très bonne journée. À bientôt. Ciao.